C'est la deuxième fois que je dirige le concours Paris Opéra Compétition et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est toujours passionnant d'aller à la rencontre de chanteurs qu'on ne connaît pas, chanteurs qui viennent du monde entier, qui ont été présélectionnés. Donc on a a priori choisi les meilleurs et c'est évidemment un exercice un peu difficile parce que dans un même récital, on a des styles très différents de musique, mais on a aussi des styles de chanteurs très différents. Et comme vous le savez, il y en a qui sont plus ou moins faciles à accompagner. Alors c'est un petit secret que nous gardons entre nous, mais dans l'ensemble, c'est une découverte très intéressante. Et puis je pense qu'il y a quelques grandes voies futures qui sont vraiment à découvrir. On a privilégié, disons, l'opéra français. En tout cas, c'est ce qu'on a demandé aux candidats. C'est vrai que ça paraît assez naturel qu'à Paris, on défende l'opéra français. C'est intéressant d'entendre une Russe chanter l'air de Dalila, c'est intéressant d'entendre un Espagnol chanter Werther. Et puis je crois qu'ils ont beaucoup à apprendre de nous, donc c'est intéressant pour eux d'être accompagnés par un orchestre français. Et en même temps, ça permet aussi de mettre en avant cette si belle musique.